Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Vous vous rappelez, la capsule précédente vous a fait découvrir le cours magistral. Place maintenant numérique. Sur cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le numérique et son importance à l'université, les outils et les plateformes numériques très utiles pour vous, l'usage du numérique dans la recherche documentaire. Vous le savez sans doute, le numérique est associé à l'outil informatique combiné aux télécommunications et à l'Internet. Il nous tient compagnie dans la majorité de nos tâches quotidiennes. Téléphoner, lire des SMS, effectuer un achat, vérifier une information, etc. Basé sur les technologies de l'information et de la communication, l'enseignement moderne se base de plus en plus sur le numérique et peut prendre plusieurs formes. Formation à distance, formation ouverte à distance, e-learning, etc. Voyons voir de plus près. Voici quelques situations où vous aurez à recourir au numérique. A. Vous inscrire à l'université. Plus besoin de vous déplacer pour une pré-candidature ou une pré-inscription ou même l'inscription. Toutes les universités marocaines ont mis en place des plateformes numériques qui gèrent l'inscription. B. Disposer d'un code apogée. En vous inscrivant à l'université, vous bénéficierez d'un code apogée qui vous facilite toutes les démarches à accomplir pendant votre parcours universitaire. Inscription administrative, stage, gestion des évaluations, etc. Le numérique vous offre des solutions à travers des plateformes en ligne pour profiter pleinement de vos apprentissages. Ainsi, grâce aux MOOCs par exemple, vous avez la possibilité de suivre des modules de formation au niveau national, MEN.MA, ou international, comme funmook.fr, ou encore coursera.org, edx.org, etc. Vous avez aussi la possibilité de suivre vos cours à distance sur la plateforme Moodle, créée par votre établissement ou parfois par un professeur qui met à la disposition de ses étudiants des cours en ligne. Pour votre information, Moodle est un carrefour d'échange et de partage. Pour y accéder, vous devez disposer d'un login et d'un mot de passe. Classroom. Son rôle est de simplifier la création et la diffusion des cours et d'exercices de façon numérique. Les MOOCs Club, ou ce qu'on appelle Massive Open Online Course. Ce sont des cours en ligne dont l'inscription est gratuite et sans condition. Les SPOOCs, ou ce qu'on appelle Small Private Online Courses. Ce sont des dispositifs en ligne s'adressant à des groupes restreints. Dans votre recherche documentaire, vous avez la possibilité de consulter des bibliothèques virtuelles nationales, comme la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, bnm.bnrm.ma, ou les bibliothèques internationales comme scholarvox.com, ou enfin la Bibliothèque Numérique Mondiale, wdl.org, etc. Pour ne citer que celles-ci, sachez également que le numérique vous permet de consulter et même d'accéder au catalogue des bibliothèques universitaires nationales et internationales, aux bases de données bibliographiques avec un accès au texte intégral, Cairn, JSTOR, Econlit, TS.fr, aux moteurs de recherche spécialisés sur le net comme Google Scholar, Google Books, TS.fr, etc. Et bien sûr, dans votre recherche documentaire, vous devez tenir compte de ces trois étapes. Premièrement, déterminer pourquoi vous avez besoin de faire une recherche documentaire. Questionnez le sujet et définir votre problématique et les notions clés sous forme d'une phrase courte. Les types de documents dont vous avez besoin ainsi que leur emplacement, bibliothèque, base de données, site web, etc. Deuxièmement, choisir. Basez-vous sur des mots-clés et cherchez leurs synonymes. Associez les mots-clés via des opérateurs booliens ou logiques. Et, ou, sauf. Utilisez la troncature, les parenthèses et les guillemets. Troisièmement, restreindre. Si le sujet est trop général, restreignez-le au niveau de la recherche documentaire, en vous limitant à un aspect, ou une dimension, ou même une période précise. Cela vous aidera à mieux gérer la masse d'informations collectées. Les solutions suivantes résument quelques situations où vous pourrez tirer profit du numérique afin de gérer vos relations avec vos enseignants et vos camarades de classe. Jitsi Meet est une solution de visioconférence 100% open source. Google Meet, un service de visioconférence de Google conçu pour les réunions professionnelles. Teams, un espace de travail pour la collaboration et la communication en temps réel. Zoom, vous pouvez organiser un nombre illimité de réunions. Les réunions de groupe avec plusieurs participants sont limitées à 40 minutes et ne peuvent pas être enregistrées. Enfin, voici des solutions qui vous permettent de soigner et de réussir vos présentations ainsi que vos différents travaux demandés dans le cadre de vos études. Prezi et Geniali. Et pour mieux comprendre, consultez les liens YouTube. Alors,
Êtes-vous maintenant convaincu que le numérique est votre allié pour la réussite? Faites-en bon usage. Maintenant que vous savez utiliser le numérique pour votre recherche documentaire, la vidéo suivante vous permettra de savoir comment tirer profit de vos lectures. D'ailleurs, savez-vous prendre des notes? Ce sera l'objet de la capsule suivante. Au revoir.